Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve dans Forza Horizon 5 dans la saison automne et on va attaquer un nouveau championnat. Le championnat saisonnier Superstar et Hatch. Alors, il faut utiliser des voitures maximum B700, Ford, Hot ou Super Compact. C'est parti. Alors, j'ai choisi la Ford Focus RS de 2009, qui coûte 25 000 crédits si vous ne l'avez pas dans le salon de l'auto. Alors, j'ai choisi le réglage suivant, Road Grip Wet, et son code, c'est 832-684-902. C'est parti pour la première course. On prend notre Focus RS. Il pleut, ça tombe bien. C'est un réglage qui fonctionne pour la pluie. Vous voyez bien qu'on est bloqué en trait doué, puisqu'il faut gagner en trait doué. Et c'est parti. Alors comme d'habitude, je couperai au bout de quelques minutes. Je vais couper ici et on se retrouve à l'arrivée. Et voilà, nous sommes premiers et on se retrouve à l'arrivée. Et voilà, on se retrouve à l'arrivée, nous sommes toujours en tête. C'est une course un peu difficile. Ça va être tout juste, tout juste, tout juste. Mais on a gagné. Alors on passe à la deuxième course. La voilà, ici. On reprend la Ford Focus RS. C'est parti. Alors comme d'habitude, je coupe au bout de quelques minutes pour alléger la vidéo. Et je remets pour l'arrivée. Ici, ça fonctionne plutôt bien, on est quasi déjà en tête. Impec, on est en tête, et bien voilà. Pas tout à fait, mais ça ne saurait tarder. Voilà, on y est presque. Voilà, nous sommes en tête. Je coupe, on se retrouve à l'arrivée. Cette course a l'air bien plus facile.
Nous sommes quasi arrivés et nous sommes toujours en tête. On devrait gagner assez facilement. La course est un peu plus facile avec ce réglage que la course précédente. On va gagner avec une avance un peu plus longue, plus grande. Voilà, c'est moins serré. Là, on a quand même presque 5 secondes d'avance, 4 secondes et demie. Alors, bonne nouvelle, le deuxième n'a que 30 points, donc on peut même se permettre de finir troisième pour la dernière course. Alors, on cherche la dernière course. Ici. On prend toujours la même voiture. Alors je montre qu'on est toujours bien en très doué. Et grâce au classement, on peut se permettre de finir deuxième ou troisième. Donc il n'y a vraiment pas de pression pour ce circuit. Surtout que c'est un circuit pas facile, je pense. À cause des tunnels et des faits qu'on peut se coincer dans les piliers. Je vais couper ici et on se retrouve à l'arrivée. Et voilà, nous sommes en tête. On se retrouve maintenant à l'arrivée. Alors nous sommes quasi arrivés, on est toujours en tête. C'est un circuit très technique, pas très facile. Il faut éviter de se bloquer dans les tunnels en se cognant un pilier. Il faut faire très attention. Ça ne nous a pas empêché de gagner, mais c'est pas un circuit facile. Et voilà, on finit premier avec quand même une belle avance. Et voici notre récompense, la 2003 Focus RS de Ford. Et voilà, le championnat est terminé. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.